tout remis comme il faut. Ok, je fais un bonjour avant de passer tout, enfin, sans faire exprès les dialogues. Donc, coucou, slash, re-coucou, c'est toujours Ivasam Studio. On change de jeu parce que, bon, vous l'avez bien vu pour ceux qui étaient là, on reporte journée. Parce que ça allait pas, ça nous plaisait pas, et on voulait quand même vous proposer une expérience beaucoup plus sympa, sachant que c'est un jeu très poétique et très beau. Donc qu'on le fasse en tout saccadé, pas beau, ça nous allait pas. Et on le reporte pas d'une journée, on le reporte à ultérieurement. Bien trouvé. Voilà. J'étais pas prêt. Donc par contre, alors, je vais vous faire découvrir, et je vais découvrir aussi en même temps, un jeu qui s'appelle Neon Abyss. C'est un espèce de mélange entre The Binding of Isaac et Dead Cells, en vrai. C'est un peu des deux, parce qu'il y a du tir, et ouais, enfin, on peut mélanger beaucoup de choses. On peut mélanger Isaac, comme j'ai dit, Dead Cells, et même Enter the Gungeon. Pour ceux qui connaissent, ça peut peut-être beaucoup plus leur parler. En même temps, je crois que c'est les mêmes développeurs, hein, Devolver. Je sais pas du tout. Si je découvre pas de bêtises, le jeu. C'est un Devolver. Si je dis pas de bêtises. Bon, bref, si c'est une bêtise, ben tant pis. Ben, je vais regarder. Donc, sur le coup. On vous propose ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, alors tu t'es trompé, c'est pas du tout Devolver. C'est digital. C'est Team 17. Ah merde, oui, c'est Team 17. Alors c'est édité par Team 17 et c'est développé par VWO Games. Bon ok, j'ai dit n'importe quoi. Pour ceux à qui ça parle, Team 17 c'est Worms. Voilà. Voilà. Et d'autres jeux, hein, mais Worms ça a beaucoup marqué, je pense. Donc j'ai dit que des conneries. Bref, bienvenue tout ça, il a dit... l'ennemi de mes ennemis est mon ami, je suis Hadès. Le groupe Titan s'est emparé de la plupart de mes pouvoirs et a détruit votre famille. D'accord ? J'ai besoin de combattants comme vous pour mettre un terme au règne de Titan. Un bidouf. Si vous cherchez la vengeance, buvez. Je vais boire. Oulala. C'est un trip. Oh, un jeu fluide. Ok, donc ça c'est pour se téléporter, sauf que j'ai pas trouvé d'autre portail. Alors, deux petites secondes, on bouge nos visages. On va les mettre par là pour l'instant et on verra si on les rebouge. Voilà. On y voit, parce qu'il y a un affichage là, il y a un sourire avec des traits, il y a la minimap, il y a les cœurs par-ci, il y a une ressource, des cristaux, je sais pas ce que c'est, une grenade, une clé, de l'argent. Comment j'utilise mes menus moi? Non, je veux pas utiliser ma grenade. Attendez, vite fait, échappe, commande, que je les ai. Tirer, gauche, droite, sauter, vers le bas, interagir, utiliser la bombe. Changer d'objet avec A, objectif, oui, menu, échappe, oui, carte, tab, confirmer et annuler. C'est très bien. Ben, on va s'y faire petit à petit, puis je pense que on va découvrir ce que ça donne. Je vais sûrement éternuer. Voilà, c'est fait. Très bien. Et on est parti. Ok, donc espace pour sauter. Et plus vous appuyez longtemps, plus vous faites un long saut. Donc il y a un nuancier, très bien. Je suis un peu pressé, c'est vrai. C'est parce que ça m'a un petit peu embêté cette histoire, mais. Mais non, c'est pas grave. Voilà. Maintenir pour. Ah, y a pas de munitions ? Pratique. Ah, quand j'étais au corps à corps, on m'a dit que j'ai sorti. Alors, les diamants qui a sous tes cœurs, c'est quoi ? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais ça va sûrement être. En bas à gauche, là, c'est une grenade, c'est ça? C'est pas une potion? C'est une grenade. Okay. Bien, on va. Et la musique est évidemment très. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un chat. Il s'appelle Terry. Ah, c'est toujours du pâté. Des arêtes partout. Bah, je lance des arêtes avec mon chat. Mm-hmm. Pas le faire bouger le coffre. Les objets actifs vous octroient des pouvoirs spéciaux. La plupart coûtent des cristaux violets pour être utilisés. Bon ben voilà. Ah super. Ok.
peut voler un petit peu, j'imagine. Et ça c'est quoi? Un shield. Ok. Bonsoir monsieur Scrion Toren, meilleur jeu, salut, je l'ai torché. D'accord. Ah, d'accord, déjà. Ah oui, en parlant de ça, j'ai la merde. Durée de vie 12 heures. Bon. Faut savoir que les... Ah, je peux déjà changer famine, c'est quoi? Ah, ça recharge, tu vois. Ouais. Et de l'argent. Je comprends pas pourquoi il me fait recharger ce flingue. Il est bien meilleur le choix au final. Là, je recharge pas. Bon, on va voir. Tu peux avoir qu'une arme à la fois? Ouais. Des œufs, ces œufs écloront pour donner naissance à différents familiers tout au long de votre aventure. Mais sachez que le succès n'est pas toujours au rendez-vous. D'accord. Bon, on prend des œufs. 3 œufs violets. C'est quoi ça? Ah, je peux y aller. Oula, merde. Bon, mais c'est le boss. Eh bien, voilà, je suis très fort. Hein. Merde. Pourquoi je saute dedans? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige des dégâts tout seul? Il a changé de forme. Ah merde! Super, j'ai un moustique dans les lunettes. Un faux trop privé ou ça va? Bon, j'ai réussi du premier coup parce que je suis meilleur. C'est pas vrai. Donc j'ai ramassé un truc jaune, j'ai ramassé un bouclier et un analgésique. Combattait malgré la douleur et je n'ai pas pu voir le reste, c'est chiant. Attends, mais je crois que j'ai vu ça. Ah, c'est bien ça. Faites-en une force, augmente vos dégâts d'armes et votre cadence de tir. C'est permanent ça, c'est un upgrade. Donc les jaunes c'est les armes, les bleus c'est les upgrades et le reste on verra. Bon, okay. C'est un objet, c'est pas un utilisable plutôt? Non, l'utilisable c'est mon ballon. Hein, avec ah, d'accord. Le terri... Enfin, je pense. Hein. Et comme j'ai pas de cristaux, je peux pas l'utiliser. D'accord. Ah oui, en effet, j'ai une cadence de tir. D'accord. Attends, parce qu'il y a un corps là-bas, j'ai pas envie de mourir, donc on va mettre toutes nos chances de notre côté, j'ai envie de dire. Hop. Ah. On dirait Shovel Knight, là. C'est rigolo. Pourquoi il y a un truc... On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui voulait tomber du plafond. Bon, c'est pas grave. J'entre. Niveau 1. N'ayez pas peur de percuter des monstres, le choc sera amorti sur la plupart, j'ai bien dit la plupart. Ok. Je peux pas me téléporter. Ah, ça c'est quoi? Il faut payer 3 cristaux pour aller au shop. J'imagine que c'est un shop. Mais j'ai pas de cristaux, comment on en a? Et ça j'imagine que c'est avec une clé pour avoir la pyramide. Puis là il y a Rabbi Jacob. Et là, il y a un indien. Bon, ben, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est de la découverte. Un cristal, pour faire quoi? Je sais pas. Niveau son, on en est comment, en fait? Non, ça va. Oh, putain. Putain, mais ça remonte. Pas très loin. Ah, ok, donc des plateformes qui disparaissent. Ça c'est quoi? J'imagine que c'est un appal. C'est juste une bombe qui pète, ok. Bon, j'imagine qu'elle s'activera aussi quand... Alors, Thoren, un truc qui n'est pas expliqué, ce sont les porte-coffres cristaux. Tu okay. peux leur tirer dessus, mais ça te coûtera un demi-cœur de les ouvrir. Ah, c'est en... Bon, je vais voir à la fin, donc je vais déjà torcher le niveau. Si je comprends bien, je torche le niveau. Et après, je vois... Si j'ai des clés ou pas pour ça aussi, j'imagine que ça prend une bombe. Si tu fais la version démon en bas à droite, tu auras une barre de Devil Deal. Ouais.
Si tu fais les cristaux et que tu te fais pas toucher. J'imagine que ça va me faire un truc genre Angel Room de. Putain, ah c'est bon. Oh, je veux ça. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Dala Angel Room, ok. L'ode à la joie. Oh, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Attends, j'ai plus le temps de tout lire. C'est quoi? Vous pouvez voler dans la salle actuelle. Encore du vol? Ah, oh, c'est pas ouf ça. Pourquoi y en a qui deviennent bleus? Elle se divise en deux. J'ai peur qu'en fait ça aille pas vers là où je veux et ça va m'énerver. Donc je vais reprendre Terry. Et ça c'est quoi? C'est. Ah, c'est une sacrifice room à tous les coups. Genre si je passe dessus ça va me faire des dégâts, mais il y a un coffre à la clé ou un. Oui, à Isaac, je vais pas dire beaucoup. Ah, donc ça me prend 5 pièces, mais c'est pas obligé de s'ouvrir à tous les coups. Ouais, c'est mieux jouer. On avait la chance qu'on a ce soir. Ah, j'ai un petit ourson. On tire automatiquement une balle rebondissante. Ok. Bon, voyons voir. Alors, et t'es pas obligé de finir les tâches pour débloquer la des villes Angel. Un son et un pop-up te dira quand c'est dispo, tu pourras te TP là-bas. Ok. Merci. Et c'est quoi ça, mon sourire? Non mais c'est chiant, ça m'a déjà bouffé 10 pièces pour s'il faut de la merde. On va continuer. On va. J'ai tard de voir ce qu'il fait. Oh putain. C'est quoi ces mouches énervées là? Ah, une brique bleue. Une petite brique qui bloque les dégâts. Ok d'accord, c'est un satellite. Bon, pour l'instant j'ai des trucs bien. Alors, il faut une clé pour avoir une clé. Ben, je veux bien faire ça, mais comment on fait? Plus de clés. Ah, mais j'ai pas de clé. C'est quand même dommage. Attends, je sais pas si c'est une grenade qu'il faut ou une clé. Bon. Ça, c'est le boss, donc on va y aller maintenant. Quoique, ça pourrait être une bonne. Bon, je sais pas si c'est. Oh non, j'ai été touché. Je vois pas mon. Ah, échec de l'éclosion. Bon, au moins ça c'est fait. Ah merde, il faut une grenade. Mais j'ai peur que d'utiliser tous mes trucs et après d'avoir de la. Je vise tellement bien. Oh, mon petit ours est devenu un petit panda. Ça me plaît. Des portes cachées, des trucs comme ça, je sais pas. Et c'est quoi cette jauge de sourire là? Mais j'ai loupé un truc. Pourquoi j'ai loupé un truc? Ah, mais non, mais c'était les déviles et tout ça. Je peux me téléporter. On va aller. Vu que j'ai une clé, on va prendre le trésor. En fait, j'imagine que c'est la salle au trésor ça. Bien joué, Eric, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une capuche de voyageur. Bon, on reste dans le voyage, c'est bien. Voyager plus loin que jamais, vous pouvez faire un saut supplémentaire. Oh, c'est nul. Bon, s'il faut, ça sera utile plus tard, mais. Je voulais, je sais pas, des dégâts augmentés. Et donc, ça, il faut que je paye 3 cristaux. On n'a toujours pas eu de cristaux depuis tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Ah, mais il m'avait dit que je pouvais prendre des dégâts. Mais est-ce qu'on essaie d'être gentil ou on est méchant? Qu'en dis-tu, monsieur Jacques? Oh, c'est ce que tu veux. Hein. Non, si tu veux qu'on fasse des tests, dis-moi aussi, t'es là. Ah, moi, je découvre le jeu, là, pour l'instant, je suis en mode spectateur total. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je commence à prendre des dégâts ou. Après, il y a un cœur, mais j'ai des boucliers, ça me ferait chier de perdre mes boucliers pour. Bon, on va tenter le boss, et on verra, je pense. Je pense que c'est plus logique de faire ça. On verra s'il me casse la gueule ou pas, comme ça au moins. Sam, le dieu des écrans. Oh,
Ah, il les fait revenir et tout, ça donne. Putain, j'ai déjà foutu un bout. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh la vache! Tu te calmes, Francis. En fait, d'avoir le coup de fou, c'est bien. Ah, c'est bon, il est mort? Je suis trop fort. La pomme dorée. Augmente légèrement améliore ton arme et la vitesse de déplacement. En quoi ça améliore mon arme? Ah oui, ça fait une étoile à 5 au lieu d'une étoile à 3. Attends, mais j'ai un double saut, moi. Non, mais c'est trop bien. Ok, le double saut, c'est bien. Je ne dirai plus jamais de mal. Les Devil Deals sont forts. Après, ça coûte un cœur dans la salle aussi. Ouais, mais... Là, pour l'instant, je suis bien. Bon, il me reste un demi-shield. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne des dégâts, quoi? Attends, sachant que quand tu commences une voie, autant la finir. Mais c'est payer des cristaux, c'est être gentil, c'est ça? Juste, si je paye pas de cristaux, ça va rien faire, c'est ça? Réponds, STP. Attends. Oh, je peux le faire. Je suis sûr que je peux le faire. Pardon. Oh non, j'ai dépensé une clé. Ah, mais j'ai des cristaux. Bon, si je paye le cristal là-bas, alors... Bah, je découvre, hein. Désolé si ça vous paraît long, mais... Comme je connais pas... Donc ça, ce cristal, c'est quoi? Un cristal. J'ai bien un cristal. Ah, la barre en bas, d'accord. Donc là, en fait, je suis gentil. Bon, on va essayer d'être gentil. Mais ouais, ça demande beaucoup de cristaux, donc faut être fort. Bon, on va bouger. Attends, j'ai de l'argent, donc je peux aller au shop en première pièce. Putain, je fais n'importe quoi. Je découvre, désolé. Les runs les plus longs du monde. Donc si je fais ça, que je vais là, je peux aller au... Genre là. Ah non, c'est 3 cristaux. Putain. Bon, je peux pas y aller. Bon, on passe au niveau 2, on va voir ce que ça fait. Et puis si je me fais engueuler comme quoi j'ai pas fait ce qu'il fallait, ben c'est pas grave, je dirais ouais, désolé, je découvre. Ok, niveau 2. Ah non, niveau 3. Donc le tuto, ça comptait combien de niveaux? C'est bien. Ah, c'est quoi ça? Une fight room, donc j'imagine qu'il y a plein de gars. Ok. Bon, on va en bas. Les musiques sont sympas. Ouais. Ah, c'est quoi ça? Putain, j'avais pas vu. Oh non, j'ai détruit le machin, ça fait quoi? J'ai cassé le machin, ça fait quoi? Est-ce que j'ai été considéré comme méchant? On va le laisser comme ça pour l'instant. Oh merde! Je pensais que ça allait me faire des dégâts. Je me suis laissé faire. Ah, 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 je connais pas les moyens. Ça se téléporte, c'est chiant. On peut bouger tout ça. Hé, un cristal. Merde. Ok, j'ai une clé multicolore, c'est quoi? La clé infinie. Oh putain, c'est trop bien ça. Est-ce qu'il y a plein de coffres sur ce niveau? Je vais pouvoir tous les ouvrir. Ah mais là j'ai un double saut, donc je vais pouvoir y aller. J'ai une grenade. Est-ce que je vais prendre ce coffre? La réponse est oui. Est-ce que je prends des dégâts de ma propre grenade? Ça serait moche. Hein. Je prends des dégâts de ma propre grenade. Putain! Moi je le saurais. Et j'ai eu un œuf. Je sais pas si c'était war, ça, cela dit. Mais j'ai plein de cristaux, donc je vais pouvoir être gentil. Si tu touches, ça sera Devil White le dégât. Si tu le touches, ce sera un Devil Way. D'accord, donc si je tape dans un cristal qui devient rouge, ça fait sur le... Ça part sur le Devil. Okay. Bon, ça va. Donc, moi, je veux rester sur le gentil, là, pour l'instant. Je sais pas si c'est le meilleur choix pour débuter, mais... Moi, j'y crois.
Et je peux encore casser le jeu grâce à mon double saut. Au pire, j'avais la clé, donc. La clé infinie. Ah merde. Ah non, j'ai qu'une grenade. Ça vient de la merde. J'ai déjà le boss. Il y a toute une partie que j'ai pas encore. C'est quoi ça? C'est un ours énervé. Non, là, il faut trouver le pénis. Arrête. Ça, c'est quoi ça? Pour l'instant, enfin, après, évidemment, je pense que c'est pas si dissident que ça. Faudrait que je ferme ma gueule parce que je sens que je vais me faire démonter. Et encore un œuf. Putain, ils ont bien du temps pour éclore. J'imagine que ça doit être un nombre de salles clear fixe. Ah, j'en ai pas. Je vais avoir attaqué de compagnon, c'est trop fort. Est-ce que c'est le but aussi d'avoir attaqué de compagnon? Je ne le saurais jamais. Ah, donc là, je peux payer mes 3 cristaux. D'accord. Et je suis gentil. J'ai pas assez d'argent pour acheter ça. Ou ça, ou le reste. Merde. Peut-être après le boss. On verra. Bon, je peux me re-tp au début pour voir le deuxième chemin que j'ai pas pris. Oula, il a lâché le temps. Oh non, j'aurais dû l'amener vers moi et ça aurait détruit les blocs de pierre. Ça vaut le coup de taper au corps à corps avec un petit couteau. Est-ce qu'il a plus de dégâts ou c'est juste automatique pour le voir? J'ai un bonhomme de neige. Est-ce que Guillaume, tu voudrais faire un bonhomme de neige? Non. Allez. Non. Oh, c'est quoi? Non. Ah, mais je suis parti en dévil parce que je l'ai touché. Oh non. Mais c'est pas cool de faire ce genre de choses. Ou alors, est-ce que c'est ma barre de dévil, C'est ça, vu que la barre n'est pas pleine, est-ce que tu es vraiment totalement... Enfin, je sais pas. Irréversible. Oh, c'est le chapeau de Harale. Chapeau ailé. Elle permet de faire un saut supplémentaire. Encore? Putain, mais... Donnez-moi des dégâts, faites un truc. Ouais, t'as peut-être raison, c'est là. Peut-être que c'est ma progression du... des villes, mais que ma barre de gentil, s'il faut, elle est pas... Elle est intacte, quoi. Enfin, elle est intacte, elle est à moitié. Ah, mais c'est chiant. Bon, on va faire le boss. Toto, et on va voir. Toto, il a dit oui. Ouais, mais il a dit oui. C'est les meilleurs commentaires sur... C'est les meilleurs... C'est les meilleurs potes Twitch. Le mec, il a posé 20 000 questions. Oui. D'accord. Ah, oh, c'est Freddy, c'est comme presque comme Tony. Oula, la vie. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Si je reste dans le coin. Oh, j'ai déjà cassé le boss. Si je reste dans le coin, il va mourir. Après, j'ai peur qu'il tombe. Trop de dégâts, à l'aide. Oh non, j'ai le dévil qui part en... sucette à cause de ça. C'est quoi ça? Une technologie Wade. Améliore votre arme, augmente votre cadence de tir. Ça fait de meilleures étoiles. C'est bien. Bon. J'ai mon dévil qui a bien trop augmenté. Et j'ai pas eu de bombe ou quoi que ce soit. Voyons voir. Je sais pas trop quoi faire en vrai. Il y avait quoi là-bas? Il dit qu'il y a un coffre. C'est un coffre que je peux pas prendre parce qu'il est trop haut. Ah non, il faut péter le machin. Et j'ai pas eu assez d'argent pour pouvoir acheter un truc. C'est dommage. Ça veut dire que j'ai dépensé 3 cristaux dans le vide. À moins que ça m'a fait augmenter la barre de gentil. Bon,
quitte à être méchant, sachant qu'il y a un coffre que j'ai tapé sans faire exprès, pourquoi ne pas le prendre, en vrai? Attends, parce qu'il y a des bouts de cœur un peu partout. Ouais, on va peut-être faire ça. Donc je prends mon cœur. Ah, ça m'a donné une banderole carpe. Et je peux faire un nouveau saut supplémentaire. À l'aide. À l'aide, toutes mes upgrades. Ah merde, mon panda, il est plus là. Mais pourquoi? Bon, autant prendre ça. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ok, je peux aller là-bas. Bon, j'ai tenté de faire la dévil. J'espère que je vais pouvoir avoir un saut supplémentaire dans la dévil. Alors, il y a un cœur. Ah, mais ça me coûte un cœur. Mais j'en aurai plus après. Ah mais ça coûte un cœur, mais genre un réceptacle de cœur. Non mais ça il l'a pas dit. Bon alors il y a le hockey, il y a le chapeau de fou, pour peut-être faire un nouveau saut supplémentaire. Et le système nerveux 6.0 pour avoir un saut supplémentaire. Ben là tu vois, vu que je connais rien, je te laisse choisir. Les familiers ont des PV et meurent, ils ont tous un effet à leur mort. Ah merde. D'accord. Vas-y dis-moi Guillaume, ce que tu veux que je prenne. Je t'écoute. N'importe quoi. Celui qui t'attire le plus. C'est un cerveau à droite? C'est un cerveau, ouais. C'est un cerveau, un chapeau de fou ou une bouteille d'alcool? C'est ça. Le fou? Allez, le fou. Si c'est un nouveau saut... Je sais pas. Vous avez une chance de tirer un faux rat. Oh! C'est quoi? Bah, il y en a par terre, là. Bah, je pense que c'est un truc qui explose ou... Enfin, j'espère que c'est ça, parce que sinon ça me fait un peu gêner. Soyons honnêtes. Regarde. On passe à l'autre niveau. Bah, ça va avec le chat, c'est peut-être un comme les effets de l'arbre. Sache que dans t'as toujours deux bons items et un daubé. Ah, j'imagine que j'ai pris le daubé, c'est ça. Les rats, c'est peut-être comme les larves dans Dead Cells. Peut-être. Ah, on va voir. Ah, il y a un cristal. Faut pas que je touche. Putain, j'ai touché ou c'est le mob qui l'a touché? Bah, fais chier. Tant pis. Ou s'il faut, c'est un de mes rats qui l'a touché. Mais, ils ont 80 millions de vies, eux. Oh là là. C'est mes faux rats qui sont dorés. Pourquoi je les gèle? Ah, c'est ma boule de neige. Qu'est-ce que... What? Pourquoi il a bugué? GG, c'est un item daubé, putain. Ah, une chance sur deux. Une chance sur trois. Oh, je les ferai toujours exploser, ces trucs. Genre toujours. Ça vient de me sauver la vie. J'en ai trois. Si je la balance là, est-ce que ça va faire un truc bien ou... Eh, pas mal. Oh, il y a un coffre dans un coffre qui... Mais c'est de la merde. Par contre, si je le fais là... Oh, je vais même pouvoir avoir... Oh, deux cristaux. Avec grand plaisir, vas-y. Oh non, ma barre, elle est revenue au début. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Et il me dit que les rats, c'est vraiment visuel. Bon, on saura que plus jamais on prend le chapeau de fou. Après, c'est un rogue, donc t'apprends de tes erreurs. Ah, tu vois. Ouais, j'ai un frère de neige. Je peux lancer deux boules de neige à la fois. Et tu vois, Elsa, au final, j'ai encore un coffre dans un coffre qui donne de la... Ah, ben. Ah non, il y a les trucs qui se répètent. Oh putain, mais il envoie des gros... Des gros chistes. J'ai un shuriken. Mais mon bonhomme de neige, il est over OP. Il est trop fort. Attends, mais j'ai loupé de l'argent? Ah oui. Après, j'ai assez de cristaux pour aller au magasin. Et peut-être qu'avec l'argent que j'ai, je vais pouvoir faire du bien. Oh putain, il me faut...
faudrait des trucs. Il y a un vase. Ou un pot. Ah non, 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 non. C'est bon. Ça allait. Oh! Pourquoi autant de cœurs? Tout ça pour trois cristaux, c'est rien. Bon. Je me sens moyen là. Parce que j'ai plus de cristaux pour aller au magasin. Et je crois que mon shuriken fait des dégâts sur les portes. Fait chier. Bon, il est rigolo, je vais y plaire. En vrai. Ah! Oh, des cristaux. Très bien. Je vais pouvoir aller au magasin. En plus, j'ai eu de l'argent. Je vais pouvoir m'acheter un upgrade. Vite, vite, vite. Avant que mon shuriken le touche. Très bien. Oula, des nouvelles armes. Pourquoi le magasin, il est nul? Est-ce que je change d'arme, sachant que enfin, les arêtes de chat, là, vu qu'elles sont bien buffées... Après, mes items buffs, ils fonctionneront sur ma nouvelle arme. Bon, je vais tenter de prendre une nouvelle arme. Il faut qu'on essaye, de toute façon. Il s'appelle Bruit. L'idéal du passé active, ça invoque une échelle. Je sais pas ce qui est le mieux, en fait, là. Je dirais que la cadence de tir est meilleure, cela dit. Bon. On va changer un peu d'arme, on verra si elle me plaît ou pas. J'ai 4 sauts, quoi. Ah, mais c'était les guidés! Ok, d'accord, on va garder cette arme. Ah ouais, non, mais tous les jours, je la garde. C'était les guidés. C'est trop fort. Je vais prendre mon trésor parce que j'avais oublié qu'il y avait une salle au trésor. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un frisbee. Ah non, c'est une vue perçante. Augmente la vitesse d'attaque de votre arme. On dirait que c'est la même. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant, Gugu? J'aime beaucoup l'ambiance. Moi aussi, j'aime bien la musique. Bon, on va faire le boss. S'il faut, je vais mourir. C'est parti. C'est le dieu de la bittercoin. Attends, mais je peux juste rester loin et faire ça, quoi. Ça lui fait tellement pas de dégâts. Pourquoi il envoie des boules de neige comme ça, Jean-Yves? Oh, mais il envoie plein de gold! Fallait pas les ramasser. Il prend l'argent. Il prend l'argent. S'il faut, il va faire des dégâts parce que j'ai de l'argent. Ok, ça craint. Non! Oh non, je suis mort! Succès déverrouillé, premier sang. Oh merde! Ah, c'est quoi ça? Salle secrète. Chaque niveau du donjon contiendra au moins une salle secrète. Oh, c'est bien ça! De toute façon, c'est le seul que je peux prendre pour l'instant. Ensuite, je peux avoir... Adepte de la mort, tuez suffisamment d'ennemis et vous laisserez tomber des cœurs supplémentaires. Ouais. Ah, il y avait un bonus couronne, j'ai pas vu, merde. Vous obtiendrez ces objets gratuitement lors de votre prochaine session. C'est cool, en vrai. Bon, ben, je peux plus rien acheter. Il y a une salle avec des pianos. En déambulant dans cette pièce, vous pourrez bien créer une magnifique mélodie. Ah, c'est cool. Ça a l'air rigolo. Donc, en fait, il y a un arbre de pseudo-compétences. Et ça, c'est quoi, ça? Cible actuelle. Ah, c'est peut-être le premier boss que je dois tuer. Genre, c'était lui qui était à la fin de mon run, et... Sûrement. Et donc là, en fait, c'est mes upgrades. Ok. Ah, je vais vers le bar. Okay. Il y a Toto qui met du chat. Alors... d'ailleurs, il y a des secret rooms comme avec Zach, oui, je viens de les débloquer, que tu dois bomber avec tes grenades, généralement, c'est représenté avec une tache dorée sur le mur, mais pas toujours. D'accord. Ah, je peux avoir un nouveau personnage qui s'appelle Matt et qui a un parapluie. Je le veux. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres persos? C'est quoi ça, ordinaire? Difficulté, difficile, facile, ordinaire, difficile... Ordinaire, c'est bien. C'est quoi ça? Et c'est gratuit. C'est les deux, je vais les avoir?
peut danser. C'est parti. Putain. La musique se lance. Généralement, c'est représenté avec plus tu tues de boss, plus tu débloques d'étages. Donc, ouais. Un peu comme Isaac ou après vraiment tu débloques d'entre. Ok. Très bien. De sacrés moves et de sacrée musique. C'est quoi ça? Un personnage. Oh, on en a déjà un autre? Anna. En tant que meilleure agente de Spark, elle s'est vue confier leur mission la plus importante. Ah, je pourrais avoir un cœur de plus. Bon, on va pas se spoiler les autres. Je pourrais avoir un cœur de plus, mais je perds une grenade. Mais la grenade, c'est bien. Mais si fois, elle a une meilleure arme de départ, c'est quoi ça? Saisir une seed, non? Ça, c'est pour faire la même partie que quelqu'un. Je vais prier. La statue est cassée. Merde. Je vais aller de l'autre côté, mais je pensais que j'allais... Le casque de moto, là, c'est pas une référence à un manga? Sûrement. Attends, mais j'ai déjà l'objet sur moi. C'est quoi? C'est quoi ces deux trucs? Couronne du roi. Votre arme inflige plus de dégâts quand vous avez tous vos cœurs. Très bien. Et tuez suffisamment d'ennemis et vous laisserez tomber des cœurs supplémentaires. Ok, donc en fait, le but de ma vie, là, ça va être avoir... Ah ben, j'ai trouvé la secrète. Vas-y, je le fais maintenant. Oui. Et c'est quoi les codes qui s'affichent en bas, là, quand vous êtes sur tes items? C'est l'acide. Je pense que c'est... Par exemple, si je te file ce code, tu pourras faire la même partie que moi si t'avais le jeu. D'accord. Genre la même run, si tu préfères. Ah, t'as pas le DLC, dommage. Je savais même pas qu'il y avait un DLC. On verra plus tard. On verra plus tard s'il y a des dons que j'achète le DLC. Là, je suis plus habitué, j'ai plus les doubles sons. En fait, c'était bien. Le mec, il sait pas ce qu'il veut. Quand tu débloques une arme à l'arbre, tu la débloques à l'annexe. Oui, c'était laissé gratuit, je vais te parler. Les musiques sont vraiment chouettes. Je veux tout casser au couteau, genre chic, chic, chic. C'est quoi cette blanche? Ah! J'ai peur. Vas-y, je lance. Ah! Ils vont pas disparaître, hein, c'est des ressources, ok. Torren, quand tu parles du DLC, tu parles du Rogue Pack? Je pense. Oh, trop bien! 3 coffres gratuits. Et un autre coffre dans un coffre? Oh non, un cristal, il faut pas les prendre. J'ai une clé? Oui, très bien. Ah, mais c'est comme dans Isaac, la première elle est gratos. C'est quoi? Une flaque d'esprit. Vous entendez des murmures? Ajoute un réceptacle de cœur et rend des cœurs. C'est balèze. Je voudrais bien un double saut là. Après j'ai déjà vu la... J'ai fait la secrète. Oh putain, mais encore des cœurs, très bien. J'ai déjà vu la secrète et le shop. Voilà. Merde. Le DLC est à 2€. 2€ ouais. Ben voilà, un don de 2€ les gens, si vous savez pas comment ça. Le mec il lâchera pas le jeu. Et c'est bon, j'en ai rassuré encore ce jeu. Mais vous. Pour votre grand plaisir en plus. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Et que je voulais pas qu'on ne stream pas. Ça fait un peu de nouveau contenu, ça peut changer. Bon, en vrai, enfin, j'aimerais bien pour l'instant. Pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner après. Pour l'instant, je trouve ça très marrant. Alors, j'ai besoin d'une clé, j'en ai. Ah, j'en ai besoin de deux. Attends, déjà on va payer les cristaux. Je peux rien acheter parce que j'ai 0 d'argent, très bien. Est-ce que je peux faire exploser ça sans mourir? Oui. Bon vas-y, je vais utiliser mes clés. Ce serait bien de se mettre bien dès le début. Il y a pas mal d'argent. C'est pas la meilleure des idées que j'ai eues, mais tant pis. Il y a plein de cristaux partout, donc on va les reprendre. Ce
serait bien de dropper une clé sur le boss, en vrai. Mais il est rigolo, j'aime bien la musique et puis la couleur aussi, enfin, j'aime bien le design du jeu. Ça me plaît, je suis content. Allez, c'est parti pour le boss. Qu'est-ce que c'est que ça? McTucky, le dieu des fast-foods. En fait, c'est comme Ronald McDonald. Attends, c'est Wendy et Ronald McDonald. Genre Wendy's de... Oh putain, faut tuer les œufs. Oh, ça devient des monstres, mais ça se trouve dans le monde. Après, c'est bien, mais les boss ont l'air d'être différents. En début de rien. Ah merde. Oula. J'étais pas prêt. Je suis pas habitué, moi. Comment ça s'appelle? Au bouton DVD player. C'était chelou, mais pourquoi pas. C'est quoi ça? Super logo. Améliore votre arme, améliore la hauteur de saut et la vitesse de déplacement. Attends, si ça améliorait la truc de saut, peut-être que je peux monter là. Putain. Ah non! Et j'ai une boule avec moi aussi. C'est mon FK Claw, c'est ça? Oh, fais chier. J'ai réussi à ouvrir, mais pas... Bon, tant pis. Est-ce qu'il y a des cœurs sur les maps? Oui. J'avais plein de cœurs là-bas, donc je vais pouvoir me soigner avant de repartir. Toujours ce réflexe de regarder ce qu'on peut faire après le boss. Apparemment, il y a de l'argent là-bas. Pourquoi? On se souvient pas. Ah oui, si, c'est l'argent qui était en haut. Mais là, maintenant que j'ai une hauteur de saut, c'est bon, je peux lâcher la paye. Tant mieux. Ah, mais il y a une salle que j'ai pas fait là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle a été fermée par un mur, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben, je peux plus rien faire, donc on va finir le niveau 1. Oh, je trouve rigolo ce jeu. Est-ce que je dis trop et que j'essaye de m'en persuader? Pas du tout. Je dis juste moi. En haut ou en bas, tiens, je te laisse le choix. Vu que t'es mon copilote. En haut? Allez, en haut. Après, j'ai pas pu changer d'arme. Oula. Alors, je suis sûr qu'il y a un truc à faire en rangeant les caisses dans un certain sens. Pour pas tout faire péter ou je sais pas quoi. C'est ça? C'est quoi ça? Non, non. Ah, éclosion, échec. Un petit cristal. Je peux pas monter. Ah, attends. Merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. J'ai compris que trop tard. Tant pis. Je vais pas faire la même connerie à côté. Alors. Ah non, ça a pas fonctionné, pourquoi? Pourquoi ça a pas fait péter le caillou? Oh, mais j'ai compris après. Après, est-ce que je peux passer par en dessous? Non, quand même. Je peux gratter. Ah, je suis déçu. Après, je suis pas sûr de pouvoir monter même. Ouais, avec mon saut, je sais pas si je peux monter au-dessus. Non, je pourrais pas. Donc en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, c'est pas grave. Oh, je peux payer un cristal. Bon, je suis à plus de la moitié de... Est-ce que j'utilise ma clé pour aller faire du combat et gagner des trucs? On verra plus tard. Là, j'ai pas de double saut, donc je peux pas y aller. Ah! La fleur, elle a rien fait pour l'instant. C'est genre, c'est un monstre, mais... J'ai un démon de feu. Tirer une boule de feu sur les ennemis. Ok, ça me va. Bienvenue. Installe-toi, fais comme chez toi. Tu l'es.
Ah oui, non, mais genre, il le fait genre vraiment. Et puis, il y a une bonne cadence. Échec d'éclosion. Oh. Après, tant que je reste... Tant que j'ai mes PV au max, je ferai des dégâts. Donc, il faut que j'y pense à ça. Ah. Un pauvre. Ah, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. La pire réponse. Attends, mais ça brûle, ça me fait des dégâts ou pas? Un singe. Ce petit singe peut tirer... Oh, ça va trop vite. Des balles sur les ennemis. Ah oui, PV 8. Et en plus, ils peuvent évoluer, les monstres. Mais tous, ils peuvent évoluer. Parce que ça peut être intéressant, en fait, de le... Bref. Évidemment que c'est intéressant de les faire survivre, imbécile, mais... Ah ah. Faut pas prendre de dégâts, faut pas prendre de dégâts, faut pas prendre de dégâts, faut pas prendre de dégâts. Ah, mon démon de feu est devenu un démon enflammé. Tire deux boules de feu. Mais j'ai peur que le feu du démon, ça me touche à moi aussi. Genre quand ça fait brûler des objets ou... J'ai peur. Oh non, il me manque rien pour la Angel Room. Ah, une nouvelle arme. C'est parti, on la prend. Est-ce que c'est bien? C'est les jumeaux. Technique dans... Quoi? Technique d'intrication quantique. En active, augmente vos dégâts d'armes dans la salle actuelle. Oh. Ça... Oh, c'est pas mal. Enfin, c'est mieux que ce que j'avais déjà. Les jumeaux, je comprends maintenant pourquoi. Ça tire deux boules. Ah là là, va falloir connaître les objets par cœur. J'ai pas envie d'avoir un site pour les premiers. Bon, ok, j'ai encore plus de cœur en cas si je suis nul. Quel chemin j'ai pas pris? En bas. Au final, on aurait dû aller en bas, peut-être que ça aurait fait de suite. Ah ben. C'est quoi ça? Échec d'éclosion. Ah, j'ai entendu un bruit étrange. Bon, attends, je vais prendre le trésor. Donc j'ai débloqué ma Angel Room. Et ça, c'est quoi? La liste de suspects. Je suis sûr que Guillaume est dessus. Vous obtenez deux fois plus de pièces quand vous tuez des ennemis. Ok. Non, je suis en train de faire autre chose. Non, mais je suis sûr que t'étais sur la liste des suspects. Non. Je suis sûr que si. Non, non, je suis en train de MP les... Je suis en train de MP les développeurs pour avoir une clé du DLC. J'espère que tu es là, Scryon Toto. J'ai une grande question. Là, j'ai une Angel Room. Enfin, on va l'appeler la Angel Room. Est-ce que j'ai droit aux deux cadeaux ou est-ce que j'ai droit qu'à un seul? Parce qu'il y a une tête de licorne qui a l'air vraiment cool. Oh, c'est Pégase. J'ai Pégase et Protecteur. Donc, si j'ai les deux, c'est bien. Si je dois en choisir qu'un, ben, je laisse encore Guillaume décider. Mais j'espère qu'il est là et qu'il va me répondre vite. Parce que si je pars dans le vide. Là, pour le fun, je partirai sur le cheval. Mais... Sur le cheval? Ok. Ouais. Si tu pars sur le cheval. Bon, j'attends qu'il réponde. Est-ce qu'il est encore là? Bah, je sais pas s'il est là ou pas. Ce serait bien. Je crois qu'il s'est barré. Bon. Allez, tu m'as dit, en plus, je viens d'avoir une nouvelle arme. Si en cas, j'ai les deux, tant mieux, mais je vais commencer par le Pégase. Ouais, c'était un choix. Vous sentez des ailes puissantes? Oh, je peux voler? Merci, Guillaume. Écoute, c'est rien. Je peux voler? Attends, mais va falloir que je refasse toutes les pièces où je pouvais pas prendre les objets. Oui. Oh, merci. Merci pour ce choix. Très éclairé de ta part. Oh, j'ai plein bon de message vidéos. Envoyé. Hein. J'espère qu'ils sont aussi rapides à répondre que la maison du vélo, Décathlon, Fnac et compagnie. Hein. Oh, je peux prendre ce coffre et... Ah non, j'ai pas de clé, putain. Mais je peux prendre l'argent. Rends l'argent. Ah, je suis content, tiens. Tu m'as refait la game, je pense. Genre vraiment.
Oh, mais je peux aller là. Bon, bon, on va faire le boss en... Ah, mais en volant, un boss, peut-être pas. Peut-être que c'est pas le bon call, ça, par contre. Mais ouais, c'est rigolo. Tiens. Allez, on va faire le boss. Remington, le dieu des flingues. Oula. Ah, je sais pas si voler pour lui, ça serait efficace, en fait. Si, quoique, si je vais en haut... J'attends. Ah, il monte. Ah non, en fait, être au-dessus, c'est trop bien. Il m'a touché une fois. Oh, j'ai des lunettes. Des lunettes d'agent. C'est plus facile à viser quand on n'est pas aveuglé. Augmente vos dégâts d'armes. Ah, super. J'ai des dégâts en plus. Bon, je peux plus rien faire d'autre ici. C'était rigolo. Ouais, en fait, l'Angel Room, faut vraiment être bon, mais... Mais c'est une sacrée récompense. Ah, je peux déjà payer pour refaire une Angel. Oh, c'est quoi ça? Il y a une carte de fidélité. Hein. Je veux la carte bleue. Oh non. Désolé à la nerveuse. Arrêtez de vous battre. Oh, il me faut encore 5 gold et je peux acheter la carte bleue. Non mais voler c'était trop bien, merci encore. Ah, j'ai une brique bleue, bon, ça j'ai déjà eu tout à l'heure. Oh, j'ai un nouvel œuf. Oh, de l'argent, de l'argent. Oh, je peux aller acheter la carte bleue, je vais le faire de suite. Oh mais voler c'est trop bien. Alors. C'est quoi? Le pass de combat. Pour payer pour gagner, plus vous avez de pièces, plus vous tirez de balles. Super, maintenant que j'ai tout dépensé. Mais bon, en vrai, ça peut être que mieux maintenant. Voilà. Mais en plus, j'ai plein d'items qui dit que si je tue les trucs, j'ai des... Oh, si. J'ai un objet qui dit... la liste des suspects, là. Qui dit que plus j'ai de... Oh non, j'ai touché un... Si je tape les gens, je peux avoir de l'or. Oh mais ça va être trop fort. Et j'ai Donald Trump. Non ! Il vole mon argent. Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Récupère des pièces et a une chance de vous donner des bonus à ramasser aléatoire. Oh non ! Oh non, va falloir être plus rapide que lui pour choper les pièces. Saleté, Donald Trump. C'est pas politique, c'est juste là. Bon, le bonhomme n'est pas. Et puis voilà, merde. Vite, on s'en va. C'est en prenant les hauteurs. Non, mais ils volent tout mon argent. Oh, non, 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 je peux pas aller là. Et j'ai pris un dégât. Voilà, merci, ton homme. Putain. Ils volent tout mon argent. J'ai une sœur zombie. Au début, j'ai vraiment lu sœur zombie. C'était pas mal écrit, c'est juste que leur police n'acceptait pas le E dans l'eau. Oh mon singe, c'est devenu Wukong, le roi des singes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Bon, j'ai une grenade, je vais l'utiliser. Ah mais quand je vole, ça va faire quel... C'était pas trop mal. Mais où est Diams dans ce jeu? Elle se lance dans la mode. Elle se lance dans quoi, dans la mode? Ouais. Ah ouais. Oh non, il y avait un monstre qui faisait des bombes et qui aurait pu faire péter ça. Pas de clé. J'ai des cristaux par contre. Ça c'est bien. Et j'ai pas vu la salle au trésor encore. J'ai un docteur bleu. On va faire le
disent comment, qu'est-ce qu'ils font, mais le bonhomme. Attends, j'ai tellement de sorts zombies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, échappe. Sœur zombie, elle fait quoi? Tire des balles empoisonnées. Quand elle est blessée, elle se sépare en deux sœurs zombies. Ah, ça veut dire que je me suis fait toucher les bébés. Récupère des cœurs et a une chance de vous donner des boucliers. À la mort, laisse des boucliers aléatoires. Putain. En fait, c'est bien parfois que les... Parfois, j'ai bien dit. Que les... Que nos monstres y meurent. Oh, j'ai pas de clé. Peut-être qu'il y en a une là-bas. Et j'ai pas vu la secret room. Il avait dit de faire attention au mur, mais... Peut-être que des fois, les cœurs cachés sans le savoir. Ah non, mais c'est vrai. Attends, quoi? J'ai découvert. C'est quoi? Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des dégâts de mêlée, vous avez une chance d'obtenir un œuf. Ouais, mais c'est fait, faut être au corps à corps, quoi. C'est pas du tout ce type de jeu, là. Je dois voler. Il y a un air de tête. Dans le mur. Échec d'éclosion, vraiment. Non, Donald Trump. Il fait plus penser à Hercule par Poirot que à Donald Trump, quand même. C'est vrai. Cela dit, tu as raison. Ah, j'utilise une grenade pour avoir une grenade, c'est worse. Putain, j'ai cru que je l'avais raté. Petit cristaux, bon. Ce serait bien d'utiliser mes cristaux. Je veux pas mourir. Mais à quoi ça sert d'être ici? Ah, s'il faut, la secrète, elle est là. Ouais, mais je sais pas où, donc je vais pas utiliser mes deux grenades. Pour rien. Bon, voyons la carte. La carte me dit que je ne peux pas aller bien loin. Je n'ai pas de clé. Ah, peut-être que je peux en acheter une. J'avais oublié ça, mais je vais perdre de l'argent, mais c'est pas grave. Bon, y a pas de clé à en vendre. Fait chier. Je suis très déçu. Ça, c'est ta faute encore. J'ai rien fait. Faut bien que ça soit de la faute de quelqu'un. Hein, on retourne sur le dieu des peluches. Oh non, lui il faisait bien mal. Et je peux pas être en hauteur, ça. Putain, j'étais touché encore. Oh là là, quel pénible. Bon, je l'ai fait au taquet de dégâts et je peux avoir un jambon. Oh, bonjour, M. Jambon. Un barbecue géant. Échanger votre QI contre de la puissance et j'ai toujours pas pu lire. Ah, putain. Ajoute un réceptacle de cœur, augmente vos dégâts d'armes mais réduit votre cadence de tir. Putain, c'est un sacré objet. Est-ce qu'il y a des cœurs sur ma map gratuit? Non, il n'y a plus de cœurs. Merde. Là, il faudrait. Bon. Et bon, on continue, on arrive... Oh, on arrive au niveau 4. Plus qu'un niveau et je suis au boss. Et j'ai toujours pas de clé. Bon, ça, ça me fait chier, par contre. Je veux une clé. Oula, oula, il est énervé. Pourquoi il met des petits coups de bâton? Oh, c'est un pléonasme, non, petit ourson? Pourquoi? Bah petit... c'est la poule. C'est... Oui. Oui, mais c'est affectif. Ouais. Non, j'ai touché le machin, j'avais pas vu qu'il y en avait un. Oh, une clé. Vite, je veux mon trésor. Il a bien touché le truc rouge, hein. Ouais, j'ai vraiment fait de la merde. Une serviette. Pas de panique, vous ne perdez qu'un demi-cœur quand vous êtes blessé. Oh, ça c'est cool par contre. C'est l'équivalent d'un putain d'objet dans Isaac. Mais quand je dis un putain d'objet... Pourquoi il y a écrit 24 dessus? Bah je sais pas, il y a le chiffre 24 sur la serviette. Mm-hmm. Alors pourquoi? Compte saut. Ah, par contre j'ai des grenades. Donc c'est parti. Et à 9. Et un œuf. J'ai plein d'œufs. Mon Wukong, il est fort. Mais je pense que celui qui fait le taquet de dégâts, là, c'est... Merde, je me suis laissé faire toucher.
mon argent. Putain, mais... Ah, ah, il m'a lâché une clé. Bon, c'est bien. Je t'aime bien, Donald. Alors là, faut bien que je vise. Yes. Oh non, il me manque un truc à dépenser pour avoir une Angel Room et avoir Pégase. Oula, ça, ça sent mauvais, ça. Heureusement que je vole. Oh, j'ai une truite. Un poisson baliste, ça fait quoi? Mais... c'est pas ouf, hein, comme style de tir. Mais c'est rigolo. J'avoue que c'est rigolo. Mais c'est particulier, quand même. Ah, j'aime bien. Mais pour toucher, c'est un peu la merde. C'est un peu le bordel. Ah si, c'est vraiment des pieds, quoi. Bon, on va se téléporter. On va essayer de continuer d'avancer. J'ai une clé. C'est déjà pas mal. Ah, quoi? Yes, j'ai eu mon argent. Non. Salaud. Bon. Ah, j'ai eu la Angel Room. Cool. Il me faudrait des cœurs. Hein. Fallait que j'en parle. Attends, mais j'ai reçu un cœur, mais j'ai pas été soigné. Pourquoi? Je ne sais pas. Une clé. Je veux le téléphone rouge, mais j'ai pas assez d'argent à cause de cet enfoiré qui vole tout mon argent. Bon, attention, je te laisse le choix entre eux. Une baguette magique et un gland. Mais et tu sais pas ce que ça fait, c'est ça? Eh non, pour l'instant, je sais pas. Si je recroise les objets, oui, je saurais ce qu'ils font. C'est une baguette magique, on dirait plus une batte de baseball. C'est écrit baguette magique. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Le gland, on sait jamais si tu croises Kratz. Oh putain, j'ai peur que ce soit de la bouse. Vos œufs peuvent bloquer les balles des ennemis. Ah oh, putain. Bon, c'est bien, mais ça veut dire que ils vont mourir avant même d'être éclos, quoi. Avant même d'avoir éclos. Oh, des cœurs. Avant même d'avoir éclos. Ouais. Bon, il me manque un demi-cœur pour avoir des dégâts. Merde, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, il bon, y a le boss et il y a autre chose. Oh, non, Donald, non. C'est bon, j'ai tout pris. Salaud. Bon, on va faire le boss. Ça me fait chier, j'aurais bien voulu un cœur en plus, mais tant pis. Allez, c'est parti. Oh ben, il me fallait de l'argent. Le dieu du bitcoin. Oh mais non, Donald, il va tout prendre. Ce salaud. Putain, j'ai pas touché. J'ai un esquimau. Glace à l'eau. Vous vous sentez toujours... Ah, ça rajoute un récepteur de cœur. Par contre, je suis très déçu. En fait, le boss vole mon fric. Mmh. J'étais dans les 60, je suis qu'à 56. Ou alors j'étais à 56 avant. Je le verrai qu'au replay. Et j'ai pas trouvé la secret room comme il m'a dit. Je suis très déçu de moi. Bon, par contre, j'ai une grenade. J'ai beaucoup de grenades. Je crois qu'il n'y a pas de coffre à faire péter avec des grenades. Non. Bon, bah, c'était pas mal. On passe au niveau 5 et on va peut-être tuer le premier boss. Qui sait? Le premier gros boss? Ouais, regarde, j'arrive au niveau 5. Mmh. J'espère que je vais y arriver. Ça serait cool en vrai. Ah bah de suite, j'ai le trésor. Ça, c'est bien. J'espère que c'est un trésor qui vaut le coup. C'est une conserve. Une boîte vide. Si vous n'avez pas de clé, vous pouvez utiliser un œuf à la place. Oh ! Tous les jours. Trop bien. La réponse est boîte vide.
Un monstre marin. Ah, c'est un deuxième satellite. Très bien. J'ai plein de satellites. Ça me protège. Après, j'ai beaucoup de vie et j'ai beaucoup d'armure, mais j'ai pas mes corps au maximum. C'est chiant. J'aimerais bien. Non. Non, 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 non. Fais pas n'importe quoi. Oh, une arme. Une sœur zombie. La destinée. Qu'est-ce que ça fait? C'est un peu de la merde. C'est fou, il y a un pouvoir caché derrière, mais là, je le vois pas. Je vole. Non, 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 non. Oh, merde, mes sœurs zombies se sont fait éclater par le machin. En fait, tous mes trucs ont dû prendre un point de dégâts. Oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, je pourrais avoir le chat. Et un truc. Ben là, le magasin, il n'est pas ouf. Donc, je vais garder l'argent pour avoir le fait que je tire plus vite ou je sais plus quoi. Non, 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 non. Ah. Je savais qu'il y a une pièce à lire. J'ai un shuriken. Rends-moi mon argent. Non. Non, c'était un piège. Pourquoi ce jeu était coincé? Pourquoi ce jeu était coincé? Oh, une très très grosse pièce. J'ai 106 de fric. Non, mais... Attends, je peux utiliser un œuf? Tiens. J'ai beaucoup de grenades. Faudrait que je les utilise. Comme ça. Je l'ai raté, putain. Ça fera un clip. Ah merde, il en faut combien là? Deux. Allez, c'est parti pour le combat. C'est par vague ou... Ouais, c'est par vague. On en passe ces mouches de l'enfer là. Ah, oh là là. Oh, tu souffles. Oh, Donald Trump est mort. Tant mieux. Ah oui, par contre, il s'est bien gavé, quoi. Et j'ai eu un pouce. L'approbation du roi. Augmente la vitesse des balles et augmente votre arme. Ok, ça me va. Le roi approuve. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, les genoux sont en valise. Là, je trouve que mon arme est bonne. Bon, elle était bonne avant, mais alors là, encore mieux. Quoi. J'ai tellement de fric. J'ai gardé les jumeaux, hein. Ils sont malades. Des fleurs de mousse. Je suis tellement concentré. Je m'amuse. J'ai eu un œuf. Potentiellement une clé. Oh. Attends, mais c'était quoi le truc avec l'argent, là? Parce que, sans déconner... C'est quel objet qui dit que plus j'ai d'argent... Je sais pas. C'est pas ça... Plus vous avez de pièces, plus vous tirez de balles. Ah bon? Donc c'est ça, en fait, qui fait que je tire 5 balles, là? Peut-être. Je sais pas. J'y connais rien, moi, je... Oh, une nouvelle arme. Gratuite. Le protecteur. Oh, non. Donc, oui, ça me protège. C'est le but, c'est... Il faut que le balle me protège, mais... Redraken. Oh, j'aime pas. Ah, Redraken. Oh, non, j'aime pas. Non, j'aime pas ça. Par contre, j'ai un shield, je peux peut-être faire ça. Ouais. Ah, oh, bah, ça tombe bien. Je serai full vie. Allez, c'est parti. Putain, je sais pourquoi j'ai pas de cœur. J'avais Donald Trump qui me prenait de l'argent, mais j'ai le bonhomme bleu qui prenait mes cœurs, en fait. Ouais. Bon, au moins, je suis full dégâts pour le boss de boss.
Ah oh, putain, j'avais oublié. C'est le dieu du Darknet. Meurs! Je sais pas ce qu'il fait. Oh putain de merde. À l'aide. On va lui casser tous les yeux et après. Ah, ah. Je panique. Ils sont imbutables, c'est vieux. Ah, ah, ah. Après, je lui fais des dégâts. Hein. Allez, meurs. Ah non! Comment il est mort? Ouais, succès déverrouillé, premier tueur. Non, première lueur, je sais pas dire. C'est quoi ça? Une amulette bestiale, Felindra, tête de tigre. Réduit votre cadence de tir, mais ouf, les balles sont beaucoup plus grosses. Nice. Et là, en fait, j'enchaîne de suite ou pas? Il se passe quoi? Alors que vous perdez peu à peu conscience, une lumière chaude vous enveloppe. Appuyez sur une touche pour continuer. Ce n'est que le début. Super, en battant le premier gardien, vous avez déverrouillé de nouveaux niveaux et gardiens. Mais d'autres défis vous attendent. Fuck. Merde. Bon, j'ai débloqué. Donc là, non, ça va. D'accord, donc là, je passe à la nouvelle cible. Qui s'appelle Al. Salut, c'est Al. Pierre marquée. Trouvez des pierres avec des marques pour de couleurs et faites-les exploser pour gagner votre prix. Putain, je vais pas lire ce soir, c'est fou. Non, je vais débloquer le piano, moi, ça a l'air rigolo. Et c'est quoi après? Un pot de fleurs. Votre balle a une chance de se diviser en balles supplémentaires. Un splendide spectacle morbide. D'accord. Mais j'étais trop bien. Pourquoi ça s'arrête là? J'avais un stuff de fou. Bon, c'est rigolo. J'aime bien. On va redanser. Est-ce qu'on change de personnage ou... La grenade, c'est quand même bien. Hein. Comme ça, moi, tu peux choper des trucs. Attends, c'est au pire. Je peux pas tirer. On va essayer une partie avec elle. Je continue, j'arrête. Je sais pas où j'en suis, là, hein, avec toutes nos péripéties. On continue. Ouais, je continue. Ok. La mort est la seule issue. J'aime pas cette phrase, d'accord. Bon, c'est quoi son arme, elle? Oula. Petite balle, mais c'est rapide, cela dit. Ah, bon, bah j'ai trouvé. Super, si j'avais une grenade... Fuck. Bon. On va voir. Avant de me faire n'importe quoi. Mais c'est les ennemis qui l'ont touché. C'est pas moi. Et j'ai mon première F. Qu'elle se déplace un peu plus vite que l'autre aussi. Non, il y avait rien. Tchac, tchic, tchac, tchic, tchac. Mais je veux voler, moi. C'était bien. Ah mais les fleurs elles font des trucs en fait parfois. Merde. Bon alors là faut allez cocotte. Mais bon, faut d'abord péter ça, puis faire péter le machin là. Et je peux avoir tout. Mon dieu, mais quel résolveur d'énigmes ce type! C'est souvent qu'il travaille dans le. Et ça là-haut, comment j'y vais? Quand je vole, c'est ça? Et du coup, je vole pas, je fais. Mais par contre, on dirait qu'elle a zéro dégâts. Hein. En
plus, bah, mon œuf, il a dit non. Bah, c'est pas très cool. Je suis très déçu. Pour avoir une clé. Ah, tiens. Je peux payer des cristaux pour faire ça. C'est parti. Il y a des cœurs devant, c'est cool de prendre un... Non ! Oh, non, bon. Oh ! Cette esquive, elle était trop belle. J'espère que je m'en souviendrai. Non. Oh, dommage. C'est quoi, ça ? Oh, non, ça me concise, c'est moche. Noyau quantique. Augmente vos dégâts d'armes, une source de pouvoir. Ah, je sais pas lire. On te dit sur le chat que la grenade à utiliser au début sur le mur. Ouais, non, mais t'as raison. Vu que j'en ai deux, j'en utilise une pour voir la salle secrète. Tu as raison. Une source de pouvoir incroyable, son fonctionnement, vous êtes totalement inconnu. Ok, j'ai un peu de lore sur les objets, mais je voudrais juste avoir le texte de ce que ça fait. Plus disponible tout le temps. Merde, j'ai eu le côté des villes. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas. Je voulais pas le côté des villes. C'est parce que je me suis fait toucher. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'elle est nulle, cette arme. Rendez-moi mon jugement. C'était trop bien en fait. Avec ses 18 millions de balles. Rendez-moi mon patate. Ah ! Eh ben on a la nébuleuse ou la lunette de visée. Je te laisse choisir. J'ai soit une arme, soit un truc qui je pense va améliorer pas ma précision, mais les dégâts. Vu qu'il n'y a pas de précision. Peut-être la cadence de tir. Après, mon arme, elle me plaît pas. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que tu prendrais ? Allô, le monde ! Pardon, je lisais la pute. C'est quoi ? C'est une lampe torche et... Une lunette de visée et un truc qui s'appelle la nébuleuse. Non, la lunette, ce sera peut-être plus intéressant, je pense. Augmente la portée de votre arme, augmente votre hauteur de saut. Génial, tout ce que je voulais, quoi. La prochaine fois, tu prends le contraire. Oui, non, mais non, c'est pas que je prendrai le contraire, c'est juste qu'on connaît pas, donc... Je suis tes choix, c'est juste que sur le coup, bon, ça fait deux fois que je tombe sur un item. Bon, qui est pas, on va dire, génial, mais c'est pas grave, enfin, je t'en veux pas, quoi, c'est ça que je veux dire. Je vais essayer de fouiller le wiki. Mais non. Weapons, voyons voir. Mais non. Alors. De l'argent. Putain, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Mais bon, ça peut être bien. Oui, il y en a des armes. Ah, il y en a plein d'objets dans un rogue, bizarrement. La nébula, ça te donne une chance de faire un feu laser. Enfin, de tirer un laser. Ça aurait été trop bien. C'est pas grave. Tout de suite. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas assez de cristaux, youpi. Bon, Eh ben, go au boss, hein. Allez, on traîne pas. Allez, hop. Oh non. Ah, mais c'est pas les mêmes têtes. C'est le même fonctionnement de boss, quoi. Ouais. Mais il y a une chauve-souris qui est vivant. Est-ce que il faut les tuer les deux en même temps ou pas par contre? Ou est-ce qu'il faut enlever toute une barre de vie? Bon merde. Non, c'est le même fonctionnement. Ah putain. Non, mais
j'avais pas vu que j'avais un chien. Je comprends pas ce boss, on est pas mal. Putain, mais... Oh, le super logo qui pue. Bon, c'est pas grave. Bon, on s'en va. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux. Ce boss-là. Putain. Pas arrivé. Un meilleur votre arme, ouais, ça fait des balles un tout petit peu plus grosses. Mais ça augmente pas les dégâts. J'ai même pas d'œufs. Je suis un peu à poil sur cette partie comparé à l'autre. Je trouve. Bon, déjà parce qu'elle a moins de battements, mais. Je me sens moyen. Ah, par contre, j'ai de l'argent. Oh, c'est quoi? C'est des Skittles? Bonbons arc-en-ciel. Ouais, d'accord, c'est des Skittles. Ça fait quoi? Chaque fois que votre familier évolue, vous obtenez un cadeau. Ce serait déjà pas mal d'avoir des familiers. Pas du tout la rage. Aïe aïe aïe, ma bonne dame, elle est en plus de saison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment gros. Ah, j'ai eu un bébé alien. Tire automatiquement une balle sur les ennemis. Très bien. Ça me va. Et t'évolues et puis j'aurai un cadeau. S'il te plaît. Fais-le. Ouais. Oh. Je vais attendre d'avoir une autre clé avant d'ouvrir celui-là par contre. En fait, je veux pas péter les caisses parce que je suis sûr qu'il va y avoir des objets pétés et ça va m'énerver. Oui. Oh, il y a un chapeau. Je le prends. Une âme de samouraï. Vous avez une chance de tirer une grosse balle. Ok. Ah oui, et puis c'est pas la petite balle. Ouais, c'est... D'accord, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est une chance, donc c'est pas obligatoire. Avec des pincettes. Je sais pas si c'est ouf pour les 70 que j'ai dépensé, mais. Ça va, la chance a l'air d'être une fois sur 10. Tu veux pas évoluer pour Tales the Rainbow? Je voudrais une clé. J'ai pas trouvé la salle au trésor, moi. Mais si, j'y suis allé. Je suis complètement con. Je me fatigue tout seul. Donc ça veut dire que ben je peux. Ah mais le niveau est déjà fini. D'accord. Ben, je vais ouvrir le coffre. Soit j'ouvre le coffre là, je risque d'avoir un truc pas mal. Soit voilà les jours. Putain. J'aurai pas de clé pour le prochain trésor. Vache. Yeah. Mais j'ai du cœur si je me prends des tartes par le boss. J'ai déjà des boucliers. J'ai peut-être mal joué. J'aime bien parler tout seul. Ah, dieu du bittercoin, regarde si mon nombre de coins est par. Oui, il m'en a absorbé un. Merde. Ah, il a évolué. J'ai eu un cadeau. Oh. Ah, je t'attends là. J'ai les cornes du diable. Augmente vos dégâts d'armes et vos dégâts de mêlée. Il y avait quoi d'autre?
Tu l'as explosé, quoi. Une envie irrésistible de chair fraîche, ne vous en préoccupez pas. Il fait quoi, mon bébé? Tire automatiquement deux balles thermoguidées sur les ennemis. Non, mais attends, mais regarde mon cadeau. Ça va faire tu. Je suis dégoûté. Il y avait un méchant clou. Mais c'est pas ouf, en fait. Ça peut me faire mal. C'est quoi cette merde? Bon, je vais voir si je peux acheter une clé. Je suis très déçu. Il n'y a pas de clé. Putain. Mec qui râle. Tu fais éclater par mon propre clown. En fait, s'il faut, fallait que j'appuie sur E et que je me barre. Ah, je suis tellement déçu. Ah, putain. Oh, je veux ça, moi. Oui! C'est quoi? Oh, c'est la musique. Oh non, j'ai mis 15 pièces, mais quel connard. Pourquoi j'ai fait ça? Ce jeu est génial. Oh, ça m'a fait... J'ai une clé USB. C'est bon, les clés ne sont plus un problème. Oh, j'en ai 99. Ah, oh, je peux le refaire. Je le refais, mais tous les jours. Oh là. Bon. Oh non, bah j'ai raté. Mais c'est le meilleur jeu du monde. Et les clés ne sont plus un problème. Et ça, c'est fort. J'ai perdu des pièces, quand même. Pardon ? Ça reste plus de beaucoup de pièces. Ouais, mais pour 15 pièces, j'ai eu 99 clés. Oh, je veux ça, ça a l'air... C'est un wagon et... Et ce qu'on pourrait mettre dans le wagon... Bon, allez, j'arrête. Mais non. Ah, attends. Ah, t'as pas les noms? Non. Ah, merde. Alors, attends. Il y a un truc rose et un truc à gravure. Il y a un wagon et un truc... Alors, le météore, c'est ton wagon. Tears from Heaven. Des larmes du, ouais, paradis. Du paradis. Active. You have a chance to open locks or hurt yourself. Oh, ça c'est nul par contre. Et après l'autre. Silver Moon. Mysterious weapon from another dimension. Active. Fall to the ground. Tracking any stones below you. Ça pourrait être bien. Oh, j'ai un bébé cactus. Je vous emmerde pour mon accent. J'ai rien dit. Non, mais je l'ai pensé. Mais c'est pour articuler, pour essayer de me faire comprendre, parce que sinon, si je prends l'accent, personne comprend. Je suis pas sûr. Putain, mais ces bébés, non, ça, ils sont super dangereux. En vrai, faut que je me fasse toucher, je crois. Et j'aurai ma dévine. Comme ça, moi, j'aurai une chance sur trois d'avoir de la merde et j'aurai forcément de la merde. En vrai, ils ont dit que les coffres, les serrures, c'était plus un problème, mais j'en ai pas retrouvé. C'est quand même dommage. Aïe aïe aïe. Voilà, grande balle, c'est rigolo. C'est vraiment utile. Oh non! Mais ça m'a fait bugger. Ça m'a fait tomber dans le vide. Bébé cactus 2. Oh putain, t'as vendu cristaux. Oh non, il y a une boîte. Ça me fait peur. Ah mais tout est tombé dans le vide. Oh là là. Oh, une clé. Yes. Qu'est-ce que c'est, des oblats? Ah oui, des oblats. D'où
double le nombre d'œufs que vous avez. J'en avais qu'un. Mon histoire est triste. Est-ce que j'espère que ça va fonctionner tout le temps. Genre, quand j'en prends un, j'en ai deux et... Oh merde, putain. Alors, on va à la Devil. Putain. Je te laisse choisir. Entre... Oh ben non, on sait que c'est pas le chapeau de fou. Attends, il y avait le masque, lui, il était fort, l'amulette bestiale. Et il y a un marteau. Bon, je te laisse le choix entre l'amulette bestiale et le marteau. Amulette bestiale et marteau. Et ça, du coup, c'est pas des armes, hein, c'est ça hein. Non, c'est des... J'ai le marteau de forgeron et l'amulette bestiale. Mais l'amulette bestiale, je l'ai eu tout à l'heure vite fait, en fin de jeu. Et ça avait l'air vraiment bien. Donc, ça, ce sont des items. Ouais. Alors, attends. On est sur un marteau et un espèce de masque dégueulasse. C'est un masque de panthère. Alors, c'est la mulette bestiale. Oui. It's raw power and passion, but hard to control. Reduce your rate of fire, but greatly increase your weapon damage. Et le marteau... Putain, tous les items qu'il y a. Comment on dit marteau en anglais? Hammer. Attends, control. Et là, en plus, c'est smiter hammer ou un truc du genre. Smither, pardon. Attends, je sais plus ce que c'est. Hammer, oui, marteau du mineur. Du forgeron. Smith, forgeron. Alors, il y a écrit clang, clang, clang. Upgrade your weapon, increase your weapon damage. Allez, je vais prendre ça. Ah oui, cling, 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 moi j'ai. Voilà. Cling, cling, cling. Ah, qu'est-ce que c'est con, alors. Ah, mais attends, mais j'ai 15 gold, je vais pouvoir refaire du piano. Deux fois même. Il me tarde. Mon jeu, faire du piano. Mais par contre, la grosse balle, je l'ai tout le temps maintenant. Grâce au cling, cling, cling. Ah, on va voir le. Est-ce que si je prends un œuf, j'en ai deux? Non, pas du tout, putain. Oh, j'ai l'ordre à la joie. Mais c'est pas ouf. Je préfère la mouette. Mon arme s'appelle la mouette. Putain, il y a un truc qui s'est tapé sur moi et je l'ai tué sans faire exprès. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, sans prendre des... Allez, on va faire du combat. Non, pas en fait, là pour l'instant, mon arme, certes, elle est pas folle, enfin, les balles sont très très normales, mais ça fait des gros dégâts. Oh, j'ai un cornet de glace. Ça fait quoi? Une glace à la vanille. Plus vous avez deux, plus vos balles infligent de dégâts. Merde. Ah ah! C'est ça en fait, il faut courir quand tu ouvres une boîte à clown. Ah, là c'est boîte à clown ou boîte de clown d'ailleurs? C'est une vraie question. Je sais pas du tout. C'est pas. Non plus. Allons faire du piano. Debout. Oh, mais je peux faire trois musiques. Oh. Allez, go. Je vais essayer de pas me planter. Mais ça a l'air d'être la même que la première. C'est la même que la première. Oui! C'est trop bien. Ça m'a filé quoi? Un lance-clé. Une fois rechargé, lance une clé dorée pour ouvrir toutes les serrures. Non, arrêtez! Ah, c'est dommage, c'est pas ouf. On refait de la musique. Mais tu changes ton arme? Ah, c'est bon, tu l'avais fait en fait. Voilà. J'ai raté. Je pensais pas que le premier saut, ça. Putain! Oh non, la machine elle est cassée! Elle m'a pété à la gueule, putain, mais. Je prends trop de dégâts. Bon, allez.
1. Bon, je suis vraiment nul, hein, sans déconner. J'espère que je saurai mieux y jouer les prochaines fois. Putain, mais je suis nul, oh là là. Mais quelle honte. Marine Le Pen, bonjour, vous avez honte. Charlie, dieu des pilules. Oula, oula, oula. Il fait des gros dégâts, ce salaud. En fait, c'est le premier boss que j'ai battu, là. Bah, j'ai les analgésiques encore. Combattez malgré la douleur. Ça s'est pas bien passé ce boss là. Hein. Putain. Il y a des cœurs qui m'attendent, mais où je sais plus. Je sais même pas si je peux les atteindre. J'espère, hein, parce que. Oh oui. Oh, deux cœurs complets. Mais oui, la vie est belle. Lancôme, je sais plus. La vie est belle. My Lancôme. Ouais, je crois que c'est Lancôme. Je sais plus. Mais tu regardes plus la télé que moi. Oui, alors, c'est pas pour autant que j'écoute les pubs. Hein. Mais moi, ça me marque très vite, ce genre de choses, tu le sais. Tout ce qui est inutile, ça. Je pense au générique des Racines et des Ailes, c'est le plus intelligent. Oh. Attends, on fait rire, putain. Bon, comment tu fais tuer ces saloperies? Mais mon clown, c'est un clown fiesta, quoi. Enfin, mon cactus, il est là, il fait YOLO. J'ai l'air d'être heureux. Ça me dit Janeiro, mais... Putain. Mais merde! Bon, mais vu que je l'ai touché, c'est parti. En plus, il y avait de la merde dedans. Ah, ça m'a énervé. Ouais, petit ourson. Il va pouvoir évoluer en super panda. Et donc, j'aurai une boîte à clown. De clown. Je sais toujours pas. En vrai, non, mon arme elle est bien, hein. Ça fait de bons dégâts. Hein. Échec d'éclosion. Oh. Mais j'ai plus beaucoup de 9-9. Oh cool. On va pouvoir se battre. Et perdre s'il faut. J'ai perdu plus de sanité. Putain. J'ai dû tuer celui-là. Oh là là. Catastrophe, je vais mourir. Ok, je suis pas mort. Oh, le jambon. Ça m'a fait gagner un réceptacle de cœur. Oh, augmente vos dégâts des armes, mais baisse la cadence, je m'en fous. Ok, d'accord. La cadence est un peu beaucoup trop baissée. Je me sens pas trop mal. Oh, merde, il y a encore des trucs qui se téléportent. Mon cactus, il veut pas les tuer, genre. Petit panda! Oh non, j'ai une boîte. J'en étais sûr. Oh mais. Mais. Oui, tout ça pour avoir de l'argent. Mais je peux plus aller au piano. Sniff. Très sniff. Comme il disait avant, c'est pas très glope. T'as déjà entendu cette expression, toi? C'est pas glauque. Oui, mais ça date. Ouais, ça date, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit comment. Comme avant, rien n'était... Pardon. C'était quand même moins... C'était quand même moins vieux que quand... Quand nos parents disaient... d'aller faire la boum. Oh,
Je sais pas si mes parents ont déjà dit ça, moi. On va faire la boum. Parents, grands-parents. Ah ouais, peut-être grands-parents plutôt. Mais putain. Ça commence à me fatiguer, ça, par contre. J'ai pas assez d'argent. Génial. Je perds trop de dégâts pour rien avec ce genre de choses parce que j'ai mon... Alors là, là, j'ai fait de la merde. Parce que mon shuriken et ma lune, là, elles font des conneries. Bon, je me retéperai plus ici. Donc c'est pas grave. Je préfère refaire le chemin à pattes. Et survivre que faire des conneries. Non. Oh, je me suis vu tomber, mais alors comme un caca. Bon, en vrai, là, je commence à avoir peur. Bah, je me sens pas très bien dans ma partie. Oh putain. J'ai rien dit. Bon, ok, c'est rendu. Pardon. Non, mais je m'en fous des clés. Je veux des cœurs. Ah, ou du shield. C'est bon aussi. T'as mis tellement de cristaux, quoi. Bon, j'ai eu un shield, donc autant faire ça. Pour une grenade. Bon, c'est pas trop mal. Pour tout. Est-ce que j'ai loupé un endroit sur ma carte? Merde. Putain, j'ai envoyé une grenade. Idiot. Ah. Ça va très bien. Non. Faut pas prendre de dégâts. Bon, après j'ai ma Devil Room qui va se saisir. Si je peux éviter de prendre 10 000 dégâts, ça m'arrange. Oh, c'est quoi? Un bouclier robuste. Vous ne vous êtes jamais senti aussi fort ou que là, j'ajoute des boucliers, vous serez invulnérable. C'est où? Bah, il est où? Ah là. Vous serez invulnérable à certaines attaques. Putain, c'est bien ça. Je suis content. De l'argent. Ah, mais je peux aller acheter un truc. Je crois. Merde, le magasin, c'est là où il y a le... Bon. J'y retourne, mais ça me fait chier. Parce que je sais que je peux acheter un truc, mais je sais plus si ça valait le coup ou pas. Pour changer ma mouette ou pas. Bon. Soyons précis. Ok. Non, 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 non. Oh là là. Ce moment où tu fais n'importe quoi. Ah, je veux ça. C'est quoi? Du nougat. Chaque fois que votre famille évolue, vous laissez tomber une clé. Mais putain. Je m'en fous. Hop. Oh, mais j'ai pas activé celui du boss, tiens. Je l'ai peut-être pas vu. J'ai dû tracer et... Par contre, j'aimerais bien des cœurs, s'il vous plaît, pour randonner. J'aimerais bien survivre. Je voudrais bien gagner le jeu. Ah, peut-être que... Pas du tout. Bon, bah c'est parti pour le boss. Sung, dieu des écrans. Il avait pas ce design, hein. Oh, je le fais ultra mal. Je l'ai atomisé. Non, je veux pas entrer. Je veux la soupe poivrée. Ajoute un réceptacle de cœur. C'est pas mal. Putain, mais... Je crois qu'il l'a attaqué, donc c'est pas un bon... Ah si. Bon, on s'en va. Hein. Et on passe à quel niveau? Niveau 5. Plus que 2. Il y a quelqu'un qui m'a dit quel est ce langage, mais quand, je sais plus ce que j'ai dit. Et c'est quoi ça?
Un dernier espoir. Après chaque combat, vous pouvez recevoir des boucliers supplémentaires. Oh! Je vais faire ça, comme ça moi j'aurai la dévil et j'arrête de prendre des dégâts inutiles. Alors, pour la dévil, tu vas pouvoir m'aider. Mmh. Ouf! Alors, j'ai le droit à une arme avec du feu, du piment et le hockey. La bouteille, tu sais, d'alcool. Oui, j'attends les visuels. En vrai, je sais pas si l'arme de feu elle est bien, mais. Alors, du piment et une arme rouge avec des une sorte de ressort. Ouais, et le hockey. Rouge, ressort. Le hockey, après, il était là quand. Mmh. Quand il y a eu le chapeau de fou pourri. Un rouge ressort, Red Dragon. The ultimate weapon, destroy everything. Shoot two homing rockets per shoot up. Oui. Et après, faut recharger 8 fois, je sais pas quoi. Ouais, non, on va pas le prendre parce que ça, c'est capable que les bombes me pètent à la gueule. Ah. Ouais. Eh oui. Moi, j'ai entendu rocket, j'ai fait non. Le destroy everything. C'est pour ça. Et après, du piment, et les piments, c'est un item, ça, par contre, oui. C'est ça. Hein. J'ai l'item piment et la bouteille d'alcool. Et la bouteille avec d'alcool. Avec une croix dessus. Il y en a tellement des items. Ouais, je te crois. Alors, attends, parce que j'ai plusieurs bouteilles. Non, c'est pas celle-là. C'est une verte avec une croix. Ouais. Je cherche. C'est un peu long. C'est pas grave. C'est pas je t'apprécie beaucoup quand même. Ah, bouteille verte avec une croix. Icubes. Ouais, c'est ça. You will get a random item if you get hurt 6 times in the same room. Non, c'est de la merde. Les piments. Le hot shield. Ah, mais il est juste en dessous. Let your gun burn. All your bullets now deal fire damage. Allez, c'est on prend ça. Hein. Le piment, chaud de vin, toutes vos balles infligent désormais des dégâts. Et sinon, tu connais l'échelle de Scoville? Non. Ben, c'est l'échelle qui mesure l'intensité d'un piment. Je ne savais pas. Voilà. Eh bien, the more you know. Ton fort. Ton fort. Mais. Oh putain, oui, alors je vois le feu d'amage maintenant. On le voit très bien. Maintenant 30 secondes, j'allume la lumière. Ouais, docteur bleu. Oh non, on récupère des cœurs. Il y en avait un là-haut. Mais quel enfoiré. Oh, mon cœur, oh là là. J'adore la musique. J'adore la musique du jeu. Ah ouais. C'est vrai qu'elle est bien. Merde, qu'est-ce que j'ai pris comme jeu. Ah d'accord. De l'éclosion, très déçu. Chaque fois on y croit et c'est un échec. Cuisant. Mais punaise. Ah, un démon de feu, c'est fort ça. J'aime. J'ai tellement plus de vie. Oh, ça devient l'enfer là. Putain, pardon. Là, je vais mourir. Comme une merde. J'ai voulu utiliser. Oh, je suis nul. J'ai vu.
J'ai Quel voulu dommage. ouvrir le coffre et j'ai balancé une grenade. C'est un suicide. Oh non, j'ai vraiment fait de la merde. Oh non, j'étais bien parti, c'est dommage. Bon, ben on va prendre. Qu'est-ce qu'on a? Le pot de fleurs, le cœur moisi. Vous trouverez parfois un cœur moisi. Certaines moisissures sont utiles, d'autres non. Prendrez-vous le risque? Et la lumière guide. Des indices vous guideront vers la salle secrète du second niveau. Oh non. On va essayer d'avoir le bouton de sécurité. Si vous n'avez pas été blessé dans ce niveau, vous pouvez trouver ce bouton, activez-le et vous rejoindrez un endroit spécial. Oh, ça a l'air bien en fait de débloquer le nouveau perso. On va le faire. On va faire d'abord les blocs. Puis après, on aura du pop-corn. Toutes vos balles explosent à l'impact ou au bout d'une certaine distance. Profitez du spectacle. C'est bien. Après, on aura des oreilles de lapin. Bon, je suis un peu déçu là de la fin. Franchement. Et sans déconner, elle avait pas d'armes qui valaient le coup. Donc Anna, je suis pas très fan. Je préfère Wade sur le coup. Je pense qu'on peut se quitter en dansant. Donc merci de nous avoir suivis ce soir. Non, en vrai, merci. C'est une bonne découverte, j'aime beaucoup. Ouais. On en à refera. refaire. Oui, Mais il faut le finir maintenant. alors sur oui, il faudra le finir à un moment donné. Mais le problème, c'est que moi je préfère le dire de suite comme ça en stream. Ça risque peut-être de revenir, mais sur des horaires un peu plus tardifs. Quand je finis le boulot par exemple. On verra. On verra. Bon, ben je vais couper là. Donc sur ce, la bonne soirée tout. Ouais, Ciao, ciao. suivez les réseaux sociaux, tout ça. C'est bien, on suit les réseaux sociaux. Et merci Draken, bonne soirée à toi aussi. Allez, les bisous tout. Merci. Au revoir.